Allez, ça tout le monde, c'est Tazric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 298 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, en mode normal. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, un épisode qui s'est rythmé catastrophique parce que on a récupéré aucune noix Korogu. Bon, on avait récupéré un petit coffre, mais bon, ça fait un peu chier. On va essayer d'espérer une noix Korogu aujourd'hui, même si voilà quoi. Donc on va évidemment, comme d'habitude, explorer ce qu'on peut explorer pour l'instant. Et viser vers ça, tout simplement. Ouais, dis donc, ça tombe bien, hein, les éclairs ici. Y a des orages dans le jeu, hein. Oh, salut vous. Truc à 36, ça abuse trop de durabilité, on va utiliser ça. Merci. Et du coup voilà quoi. Alors par contre ça serait bien de réussir à monter là-haut. Oh flemme. Tac. Peut-être là. Ah mais parce que je n'en ai plus. Je n'ai plus de... Oh de Révalie. De rage de Révalie. Bon après on a un peu on a de l'endurance. Donc normalement ça devrait pas non plus trop poser de problème hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si on va peut-être pas faire un sixième. Hein. Voilà, septième. Ok. Salut vous. 1, 2, 3. Non. Putain, il a avalé les gelés joujoux. Pourquoi? Ah, aucune noix Korogu. Hein. C'est triste, concrètement. C'est pas fameux. Dites-moi en commentaire ce que je viens de siffler là actuellement. Voilà, c'est un petit jeu. Voilà. C'est pas fameux, hein. Les noix Korogu, c'est en train de me gonfler. Bon, écoutez, on va explorer, hein. On va être là. On va aller là-haut. On va pas aller en bas. Ça, c'est une évidence. 435, toujours, hein. Je vous rappelle qu'on est, on en a récupéré aucune pour le moment. Ça fait chier. Ça me fait d'ailleurs très stressé. Parce que je me dis, il y a certainement un problème dans le truc, mais. On va essayer, on va éviter, on va et regarder, hein, on va. On souffle, mais. Voilà quoi. Elle a pas apparu l'épée. Oh dommage. Ça aurait été cool. Nous sommes là. T'as eu peur, hein. Je suis peut-être très méchant. Le gars est totalement psychopathe. Mais par contre, j'aimerais juste réussir à trouver des trucs. Alors, on sait que normalement, ce côté. Pour le lac. Le lac. Pour le lac à explorer. C'est une dinguerie. C'est un peu ridicule là qu'on n'obtienne rien. Oh, l'épée de chevalier. Attendez, ouais, mais combien? Ah, t'as plus 4, vas-y, va te faire foutre. Va juste te faire foutre. Ouais, la rage de Révalie. Again, bitch. Par contre, on va explorer, hein, pas le choix, ça c'est une certitude. On explore et on implore pour avoir quelque chose. Oh putain, c'est please, merci. Ah, il y aura certainement du truc, hein, ici, je vais jurer. Mais quand on aura certainement, ben, je prie qu'il y aura un radeau. Je prie qu'on aura un petit radeau sagement. Encore de la pluie, non mais c'est un délire.
C'est un délire ce jeu. Encore de la pluie les gars, encore de la flotte. Non mais c'est un délire là. Ah mais c'est pas chez nous là-bas. C'est juste un délire. Bon, on va aller de l'autre côté, hein. On va aller explorer ce côté. Il faut de toute façon explorer l'ancien champ de manœuvre, donc on va y mettre des épisodes, mais c'est comme ça. L'ancien champ de manœuvre. Je suis désolé, j'ouvre beaucoup mon inventaire, mais comment vous dire, pour savoir où on est bien passé et tout, mais épée de soldat, un gars. On dit après en photo, on en a déjà certainement pris, ça c'était sûr. Eh hey, mais attendez, bouclier de soldat. Non, ouais. Oh, ok. Ok, ok, ok. No kind of problem. No kind of problem. Oh my fucking god. Again. 36, 38, 38, 38, 38. Glace. Attaque plus 21. 38. Alors, on a vu qu'il y avait un coffre là. Par contre, pour l'avoir, lui, c'est bon, on peut l'avoir tranquille. On panique trop des fois. Alors là, perfect. Arc de chevalier, 29 d'attaque. Cet arc de. Attaque plus 3. Cet arc de fracture classique qu'utilisait les chevaliers d'Hyrule dans son archer, une grande stabilité et le métal dans lequel a été forgé le rend particulièrement solide. Non! 29 de dégâts. Bah écoutez, putain, il faut vraiment qu'on améliore notre inventaire. Hein. Je sais comment faire en plus normalement. Je dis pas de conneries. Bah oui, il nous a dit en plus. Mais bon, on y est dans la zone, mais bon. On le fera à la fin. Hein. D'accord? Oh lolo. Oh lolo. Qu'est-ce que je fais là? On fait les choses pas dans le bon ordre. Oh 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 oh, le moblin, le moblin, le moblin. On peut essayer de tenter un truc très risqué, mais écoutez. Bon ben. Le bâtard. Eh hey, chat. Chat. Double chat. Oh. Oh, c'est un jouissance. Vas-y. Cette jouissance dans l'art du combat. Non mais vraiment. Comment on a réussi à faire ça? Non mais sérieusement. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Ah si, tout était voulu. Hein. 36. 45, ouais, toujours plus en fait. Toujours plus quoi. Par contre, eh oui, non mais attendez, mais on a un truc là à explorer en fait. Non, comment tu veux explorer tout ça? Non mais comment tu veux explorer tout ça? Is very impossible. Tac, tac. Oh. Yeah. Please, please, come. Oh. Oh, ok, thank, I'm God. 5 flèches de glace, ces flèches imprégnées du pouvoir de la glace, j'ai tout ce qui les entoure en impact, c'est particulièrement efficace contre les éléments chauds. Cacao. Chaud, 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 chocolat, chocolat, papillon piment. On l'a dit après en photo. Ça merde pour rien. Comme à son habitude, hein. Oh, mais attendez, mais il y a des coffres encore là. Viens ici, toi, mon coco, mon coco, mon confrère. Et ici. Fragment. Ouh, excuse me. Fragment d'étoile, c'est mystérieux. Fragment d'étoile tombé du ciel, ici précieux, que ça va à la marchandre est très élevé. Mais son utilisation en tant qu'ingrédient culinaire reste peu connue. T'es mort.
On t'a eu, on t'a baisé. Oh là-bas, c'est l'arme à la con. Tac. Oh, je pensais que j'allais vraiment viser le tonneau. J'allais dire, je suis vraiment une salope comme ça. Non, mais sérieusement. Oh, calme. On se calme, monsieur. C'est rouillé, ça. Ready, hein? C'est une blague, là. Oui, chevalier. Non, mais c'est une blague. Pourquoi ils nous donnent des armes, des trucs surcheatés, les gens? Non, mais non. C'est trop, là. Tac. T'as vraiment englouti ce que je voulais? Dégage. Tu mérites que la mort. Un truc. Hé. Tout ça pour un rubis, hein. Je suis vraiment un petit salopio quand même, hein. Mais bon, écoutez. Alors là, il y a The Guardian. Ah, si je dis pas de bêtises. Non. T'es sérieux? On a vraiment pas. Mais il y a même pas de truc avec ça. Oh, j'ai pété les blancs. Oh putain, j'ai vraiment failli faire engloutir pour rien. Salut toi. Elle est barde de chevalier. Un aide-barre de chevalier qui ne m'intéresse pas. On souffle fort ici, hein. Ah bah super. Ah ouais, non mais vas-y Link. Pourtant t'avais aucune patte dans le truc. Oh, je sais pas pourquoi il a pas voulu sauter. Il m'a fait un truc là, Link, j'ai pas compris. Oh là là. Concrètement, tu veux explorer ça comment? On oublie certainement des choses. Oh là là, ça nous fait des screamers à chaque fois ce truc. Tu vas voir. Il va rien comprendre. Chef, meurs. Là-bas, il y a. Je sais pas quoi, mais là-bas, il y a un truc. Tiens, oh, rubis argenté, ça rubis, ça t'interjeté, vous met du baume au cœur. Ouais, du coup, faut réussir à passer sans encombre. Oh, ils sont chiants. Oh. On peut essayer de le tuer. Là il sent. Ah, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Vas-y tombe. Ok, on le gère, hein. Vas-y. Oh, mais t'es vilain, toi. T'as laissé une chance de revenir, mais... Oh, mais du coup, tu me donnes pas tes drops. Oh, il me donne pas ses drops. Oh, chiant. C'est vraiment la pire zone pour récupérer les trucs à chaque fois. Hey. Flèche en bois. Ah, ah oui, bah oui, il pleut. Oh putain, j'ai pété les plombs, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus qu'il pleuve dans ce jeu, c'est ça devient infernal, hein. Concrètement, ça devient imbuvable, hein. Qu'il pleuve ici, ça devient imbuvable. Allez, là. Putain, ça devient imbuvable. Putain. Voilà.
attendez, mais c'est juste pour ça? Non, mais j'ai pété les plombs. Y'a rien là? Y'a rien. Y'a rien du tout. Putain, les gars. Non. Mais y'a rien. Il a pris un premier coup, donc à mon avis, un second, ça sera bon. Non. Oh putain. Merci. Wow. Galère cette zone. Non, non, pas une lune de sang maintenant. Non. Non mais je vais arrêter de tomber dans cette putain de boue tout le temps. On n'est pas censé glisser comme pas possible là. Vite, là. Bon ben, c'est bien, c'est-à-dire tous les ennemis vont se réveiller là. Vas-y, on est protégé. On est protégé en cas de problème. Putain, ils sont chiants les lunes de sang là. Du coup, ils vont faire hip-hop tout le monde. Alors, c'est bien à certains moments, mais là non. Pas dans ces situations là. Grand boomerang, durabilité plus, doté d'une dame de sa courbure intérieure, trop grande pour être maniée d'une seule main. C'est une arme difficile à utiliser, modifiée pour servir au combat plutôt qu'à la chasse. Oh putain. Et oui, là il va pleuvoir, donc il va dire je peux pas monter. Je peux pas monter, c'est ça? Non, ça va, il est pas chiant. Donc là, c'est un côté qu'on n'a pas encore exploité. Mais tout ce qui... Et pour au final, tout ça, avec aucune noix qu'au goût. C'est ça qui est encore plus frustrant dans le machin, dans le truc. Le plus frustrant, c'est pas qu'il y a rien, entre guillemets. C'est qu'il y a rien, il y a aucune noix qu'au goût. Bah, dégage. Quoi là-dedans? Topaz brut, c'est précieux minerai d'Aïru d'une grande valeur marchande, abriterait la puissance de l'électricité. Oh, c'est en train de me rendre fou. Il n'y a aucune noix qu'au goût et tout, les gars. Non, mais. Vous imaginez. Vous vous rendez compte là, de la chose là actuellement? Est-ce que vous vous en rendez compte? Parce que là, honnêtement. Au bout d'un moment, on pourrait peut-être. Peut-être, hein, je dis bien, l'oublier. Évidemment qu'il y a un crâne. Ça, lui on l'avait déjà fait, mais ils ont ripop. Ils ont ripop évidemment. Vas-y. Oh, on va. Non. Oh putain. Oh, laisse-moi changer d'arme. Oh putain. Oh. Vas-y. Ça aurait pu être une noix au goût, ça. Mais non. Non, non, je comprends pas. Honnêtement, les noix au goût, c'est un mystère dans cette zone. Hein. Concrètement, hein. Concrètement, c'était un mystère, hein, les noix Korogu. C'est une dinguerie, hein, je comprends pas. Pour qu'il y en ait peu. Pour qu'il y en ait jamais, en fait, d'ailleurs. Hein. Il n'y en a pas peu, il y en a jamais. Il y a une différence entre peu et jamais. Hein. Là, vraiment, il n'y en a jamais. Oh là là. Et ça, il n'y aura pas un trou à mettre, mais non, c'est juste pour nous le faire tomber et nous faire flipper, c'est ça. Regardez. Tac. Vas-y. Voilà, tac. Cha. Tu restes avec moi. Honnêtement, ça devient imbuvable là, la pluie dans le jeu. Oh putain, ça devient imbuvable la pluie dans le jeu. J'ai juré, hein. Sachant qu'il faut qu'on finisse là où il y a le crâne. Donc là, on va d'abord explorer ce côté. Sachant qu'il y a ce côté-là à explorer aussi, c'est... Comment tu veux? Il y a ce côté-là, c'est... vas-y. De toute façon, on pourra pas monter, de toute façon. Hein. C'est là où le pouvoir infiltration aurait tellement été bien. Mais bon, ça n'existe pas dans ce jeu.
Pas dans cette version, évidemment. Et un bon infiltration, je vous avoue que ça aurait été cool quand même. Hein. Putain, je croyais que c'était une encore au goût, ils auraient pu accrocher quelque chose ici. Que de faire flipper les gens avec ça, putain. Ils sont chiants. Eh hey. Ah mais bon. Pourquoi toi? Ah ouais, je m'en doutais, hein. Putain. Ouais, bon au moins ça rentabilise la Nokorogu, mais... mais putain, non mais vraiment. Quel est ce maléfice? Oh. On ne réveille personne. Chat, vas-y. Voilà. Désolé les gars, mais... on souffle. Hop, 2, 3, 4. Oh! Oh! Please! Come! Oui! Oh putain, on va pas s'arrêter là. Non, du tout, tu m'as trouvé. Non, encore au goût. Ça, putain, vous a donné encore au goût. Ça peut faire 1000 points contre beaucoup. Porter et bonheur à la réveille, à la réveille. Allez, on s'arrête là. Les amis, merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 298 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild à mode normal. Dans l'épisode prochain, on continuera d'explorer cet ancien champ de manœuvre dans lequel ben, on fera ça. On va devoir explorer ici. Ici, un petit peu les alentours, et puis une fois qu'on aura fait ça, hein, on complétera simplement le petit trou qui est là, et puis après, ben, on pourra tout simplement monter. Donc, au cas où, on s'arrêtera peut-être notre route à partir de l'arrivée de cette forêt Korogu, genre quand on commencera vraiment bien s'y mettre, tout simplement. Donc, ouais, on s'arrêtera peut-être vers là, genre on mettra peut-être un truc genre ici, vous voyez, ça peut être bien pour s'arrêter, et après, du coup, on continuera hein, et on suivra notre chemin. En direction de la suite hein, de cette exploration, avec certainement des choses à faire, encore et encore et encore. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode 298, et on se dit à l'épisode 299 qui apparaîtra tout simplement cette semaine. Normalement, si je dis pas de conneries, apparaîtra après-demain, jeudi, vendredi, donc après-après-demain, donc ça sera samedi, voilà, à midi. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace!